Comme Ali Salatu Salam, il n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu. Maintenant, pourquoi moi, Jésus, je vous dis une vérité que j'ai entendue de Dieu, vous voulez me faire mourir? Voilà pourquoi il précise, moi, en tant qu'un être humain, vous dis à tous ceux qui le prennent pour une divinité, qu'il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Donc, ton ami. Ok, shalom, nous sommes de retour pour mettre fin au mensonge. Comme la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour mentir et un temps pour mettre fin au mensonge. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis là pour mettre fin au mensonge de la DDR, de Aziz Khan et puis de tous les musulmans qui ne cessent de mentir à la surface de la terre. Nous sommes là pour frapper très fort, montrer comment est-ce que ce sont des menteurs. Ok, nous allons remonter. On va commencer à... On va commencer par ici. Suivez la question que ce frère avait posée. Dire que vous allez venir honorer. Donc, je suis venu poser ces questions. Après, je poserai mes propres questions. Donc, moi, je suis un chrétien. De un, elle dit, le nom du père d'Abraham est Zara, est Tera, dans la vie. Et pourtant, dans le Coran, c'est Azar. Que pourquoi cette différenciation? Pas la différence entre les deux. Donc, voyez, ouais, il a posé la question, comment est-ce que dans le Coran, on dit que le père d'Abraham, son nom, c'est Hazar, mais dans la Bible, on dit c'est Terak. Où est la différence? Est-ce Terak ou bien est-ce Hazar? Où est le mensonge? Qui est en train de mentir? C'est la question que le frère a posée. Suivez encore. Dans la Bible. Et pourtant, dans le Coran, de 1, elle dit, le nom du père d'Abraham est Zara. Tera dans la vie. Et pourtant, dans le Coran, c'est Hazar. Que pourquoi cette différenciation? Pourquoi la différence entre les deux dans la Bible et dans le Coran? Après, sa deuxième question. Qui se fait appeler Hazar? N'est-ce pas? Le nom du père de Colonel. Ok, suivez maintenant la réponse. Comment est-ce que ces gens vont mentir? Ils vont dire, ce gars ici de la DDR, Oustaz Diane et son coéquipier Ismaël Aka, ils vont dire que Hazar, c'est la même personne que Terak. C'est une même personne qui avait deux noms. Un nom peut avoir deux noms. C'est comme ça qu'il a répondu. C'est toujours bien. Écoutez, suivez ce qu'il va dire. D'accord. Pour répondre à la première question, qui est de dire que le père d'Abraham s'appelait Terak dans la Bible et dans le Coran, Allah a dit que le nom du père d'Abraham, c'est Hazar. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut s'appeler Irak et puis c'est plus appelé Hazar. Dit que le nom du père d'Abraham, c'est Hazar. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut s'appeler Irak et puis c'est plus appelé Hazar. Il dit que quelqu'un peut s'appeler Terak et puis s'appeler aussi Hazar. Sous-entendant que c'est le même nom, la même personne. Suivez la réponse. Dans le Coran, Allah dit. Le nom du père d'Abraham, c'est Hazar. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut s'appeler Irak et puis c'est plus appelé Hazar. N'est-ce pas? Oui, oui. Moi, il m'appelle Ismaël et puis après, il m'appelle Aka. Donc, si quelqu'un dit qu'il s'appelle Aka, est-ce qu'il a menti? Non. Si un autre dit qu'il s'appelle Ismaël, est-ce qu'il a menti? Non. Donc, ça fait, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, attaque, mais! Il n'y a pas de problème à ça. Le Coran n'a pas dit qu'il ne s'appelle pas Terak. Pour moi, si le Coran avait dit qu'il ne s'appelle pas Terak, on en est pour moi. Mais le Coran a donné un autre nom. Tu prends Abraham. Un homme peut porter plusieurs noms. Il n'y a pas de problème à cela. Il dit un homme peut porter plusieurs noms. Il a même donné son exemple. Il peut avoir deux noms, trois noms. Donc, le père d'Abraham, il pouvait porter plusieurs noms. On pouvait l'appeler Terak, on pouvait l'appeler Hazar, d'après ce qu'il dit. Maintenant, ce que je dois conseiller à tous les gens, si un garçon comme ça vous répond, il faut lui demander, c'est écrit où? Dans la Bible, il est bien entendu, il y avait beaucoup de gens qui portaient deux, trois noms. C'est comme Pierre. Pierre, on l'appelait Simon, on l'appelait Kephas. C'est écrit dans la Bible. Pierre appelait, lui-même, il s'appelle, il dit, moi, Simon Pierre. Il y a des gens qui portaient des noms comme ça. Il y avait comme Thomas. La Bible dit, on l'appelait aussi Didyme. C'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qu'on a appelés Abraham, et puis Dieu est venu à changer son nom, et le son est devenu Abraham. Sarah, Sarahi. Il y a Jacob. Dieu a changé son nom, c'est devenu Israël. Donc, il y a une suite logique. Maintenant, dans votre livre-là,
Donc, vous parlez des histoires que vous ne connaissez pas. Tu dis que c'est la même personne. Ok, suivant. Et la deuxième question. Alhamdulillah, la deuxième question se trouve dans Ben Abraham. Un homme peut porter plusieurs noms. Il n'a pas de problème à cela. Il dit un homme peut porter plusieurs noms. Sous-entendant que c'est la même personne. C'est la même personne. Un homme peut porter plusieurs noms. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo d'un autre comédien. Lui dit que Hazar, ce n'est pas le père d'Abraham, c'est son oncle. Oncle, les mêmes musulmans. Bon, le problème, c'est que si vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas, vous nous mentez trop de mensonges. Nous allons montrer. Suivons aussi la vidéo de ce garçon ici, Aziz Khan. Est-ce que parce que... Faites au rack de l'Arabie. Et la Bible te dit, il s'enfuit. Et là, on est au rack de l'Arabie. Quand tu dis qu'Ismaël n'est pas arabe, n'est pas descendant des Arabes. Et les Arabes ne sont pas descendants d'Ismaël. Alors, bon, la Bible te parle de au rack de l'Arabie. Je vais chercher rapidement. Au rack de l'Arabie. Ça fait un. Avant de trouver le verset. Et tu dis que dans le Coran dit que Abraham, son père s'appelait Hazar. Non, ça, c'est la connaissance stylistique que tu n'as pas. Oracle de l'Arabie, ça fait un. Avant de trouver le verset. Et tu dis que dans le Coran dit que Abraham, son père s'appelait Hazar. Non, ça c'est la connaissance stylistique que tu n'as pas. Tu vois la comédie de ce garçon. Il dit connaissance stylistique, blablabla, stylistique, blablabla. Il y a un prédictionnel, blablabla. Beaucoup de mots inutiles. Il dit que dans le Coran, il a renié. Il a dit que Hazar, ce n'était pas le père. Il a dit que c'est l'oncle. Suivez ce garçon. Ouais, oracle de l'Arabie, ça fait un. Avant de trouver le verset. Et tu dis que dans le Coran dit que Abraham, son père s'appelait Hazar. Non, ça c'est la connaissance stylistique que tu n'as pas. Wa iskola Ibrahim li Abi Hazara. Dans l'explication de ce verset, dans la coutume idiomatique arabe, quand on cite ton nom, c'est que ce n'est plus ton papa. C'est une chose que tu ne sais même pas. Mohamed est là tout à l'heure. J'ai dit, moi, où est ton frère? Où est ton père Mohamed? Ou bien où est ton père Ibrahim? Automatiquement, dans la coutume arabe, même en Afrique, ce n'est plus son papa. Hazar, c'était son nom. Parce que le Coran dit, c'était son nom. Parce que ce n'est plus son papa. Hazar, c'était son nom. Parce que le Coran n'est plus son papa. Hazar, c'était son nom. Parce que le Coran dit... Il dit que, c'est, comme on a cité le nom de Hazar, ce n'est pas son papa, c'était son oncle. Bon, l'autre, elle a dit que c'est la même personne. Elle, on peut avoir plusieurs noms. Et l'escroc ici, il nous dit non, c'était son oncle. Bon, où est-ce que vous... Comment, et c'est pour cela que nous partons avec ce qui est écrit. Nous demandons, c'est écrit où? Montre-nous là où c'est écrit. C'était son oncle, ou bien c'était son père qui portait le même nom. Donc, vous adorez des histoires que vous... C'est pour ça que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On continue avec les mensonges de ces messieurs. Où est ton père Mohamed? Ou bien où est ton père Ibrahim? Automatiquement, dans la coutume arabe, même en Afrique, ce n'est plus son papa. Hazar, c'était son nom. Parce que le Coran dit... Il dit, ce n'est pas son papa. Ce n'est plus son papa, c'était son oncle. Où est ton frère? Où est ton père Mohamed? Ou bien où est ton père Ibrahim? Automatiquement, dans la coutume arabe, même en Afrique, ce n'est plus son papa. Hazar, c'était son nom. Parce que le Coran dit, wa iskola Ibrahim li Abi Hazar. Ça, c'est une fois dans le Coran. Mais il y a six versets où Dieu dit, Abraham a dit à son père. Abraham a dit à son père sans mentionner. Mais la septième fois, Dieu dit, Abraham a dit à son père Hazar. Mais dans la coutume idiomatique arabe, même en Afrique, si on dit le nom de quelqu'un, si c'est son père directement, on n'a pas besoin de dire le nom. Si on dit le nom, c'est que c'est son. C'est son nom. C'est son nom. Si le nom, c'est que c'est son nom. Hazar. Mais dans la coutume idiomatique arabe, même en Afrique, si on dit le nom de quelqu'un, si c'est son père directement, on n'a pas besoin de dire le nom. Si on dit le nom, c'est que c'est son nom. Il dit, dans la culture idiomatique, blablabla, si on dit son père, on n'a pas besoin de citer son nom. Si on cite son nom, c'est que c'est son oncle. Interprétation particulière. C'est là que nous sommes en train de frapper. Montre-nous cet écrit où. On continue avec la vidéo. Ça, c'est compris ça en Afrique. Si on dit le nom de quelqu'un, si c'est son père directement, on n'a pas besoin de dire le nom. Si on dit le nom, c'est que c'est son nom. Ça, c'est compris. Ça, c'est une connaissance même basique que tu dois avoir. Si toi, tu as un enfant tout à l'heure là, qui s'appelle peut-être Meda, ou bien tu as un enfant qui s'appelle Kémen.
hein, et on dit à Kémé, où est ton père? Il sait que son père, c'est Mohamed. Mais si on dit à Kémé, où est ton père, Mohamed, ce n'est plus son père, parce qu'on n'a pas besoin de citer le nom. Donc, quand le verset dit, Waïskola Ibrahim li Abi Hazar, le fait que le Coran met le nom de Hazar directement dans la coutume automatique arabe, ce n'est pas son vrai papa, c'est son oncle. Parce que le père d'Ibrahim était décédé et son oncle a pris Abraham en charge. C'est son oncle qui adorait les idoles. Et je te donne deux preuves encore. La coutume automatique arabe, ce n'est pas son vrai papa, c'est son oncle. Parce que le père d'Ibrahim était décédé et son oncle a pris Abraham en charge. C'est son oncle qui adorait les idoles. Et je te donne deux preuves. Dans la coutume automatique arabe, ce n'est pas son vrai papa, c'est son oncle. Vous avez suivi? Il dit que c'est son oncle. L'autre lui a dit que non, c'est la même personne. DDR et Aziz Khan, vous êtes des menteurs, vous tous. Bon, ce n'est, bon, le mensonge n'a pas commencé d'ailleurs avec vous. J'ai pitié de vous, hein. Mais on va remonter la filière pour voir d'où vient le mensonge. Le mensonge, ça part à partir de l'islam même, de Muhammad. Nous allons voir. Je vais vous montrer cette écriture ici. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour les débats. Nous sommes en ligne maintenant, même en différé, vous pouvez toujours nous contacter. Nous allons parler de ces histoires. Alléluia, nous sommes là pour ça. Ok, je vais vous projeter ces écritures ici. Vous allez voir. Vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Attendez, je dois agrandir ça et puis mettre ça. Ok, je dois agrandir ça. Là, c'est le Coran. Hein? Là, c'est le Coran. La sourate 6, verset 74. On dit, rappelle le moment où Abraham dit à Hazar, son père, prends-tu des idoles pour, comme des divinités? Voyez-vous, on dit que c'est son père. Hein? Voyez-vous, son père. C'est ce qu'on a écrit, c'est son père. Mais le garçon l'a dit que c'est son oncle. Bon, il a fait répéter que ce que les autres ont dit. Attendez, je vais vous montrer. Je dois bien agrandir ça. Je dois bien agrandir. Vous voyez, le verset est là. Le verset est là, est en arabe. On parle du père. Hein? Il dit, li habihi, li habihi. Vous voyez ce mot ici, li habihi, li habihi. Cela veut dire le père. Maintenant, d'autres, ils ont commencé à spéculer, comme les musulmans aiment toujours spéculer. Ils ont dit, oh non, non, ce n'était pas son père, mais c'était son oncle. Il y a plusieurs versions de Coran, des translations. Aboul Allah Amaoudoudi, Abdullah Youssouf Ali, il a dit c'est son père. Maoudoudi a dit c'est son père. Hamed Ali, il a dit Hazar son père. Razakan, maintenant, suivez ce que Razakan dit. Ahmed Razakan, c'est le Coran selon Ahmed Razakan. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, rappelez-vous quand Ibrahim a dit à son père, entre parenthèses, oncle paternel Hazar. Vous voyez, ils sont confus. Tantôt c'est oncle, tantôt c'est père. On continue. Vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. On va là. Un autre translateur de Coran, il dit, rappelez-vous quand Ibrahim a dit à son père, à son oncle paternel Hazar. Donc vous voyez ces deux ici. Il parle d'oncle paternel. C'est de là que ce monsieur est venu avec ses explications. Il a juste ramassé, puisque le musulman... Ça, ce sont les translateurs, ce sont des Arabes. Ces gens sont des Arabes, ils ne connaissent pas. Donc le problème, c'est dans l'islam. Ils ne connaissent pas qui est Abraham. Ils ne connaissent même pas son père, tantôt c'est son oncle. On va même dans les tafsirs, vous allez voir. On va partir dans les tafsirs. Là, nous sommes dans les tafsirs. Attendez, je vais bien vous projeter ça. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite, là où ils ont mis les tafsiri. Le site internet de l'Arabie Saoudite. Voyez-vous, alislam.org. Alislam.org. Ils ont parlé de est-ce que Hazar était-il le père du prophète Abraham? Ils ont posé la question. Puisque les gens se posent beaucoup de questions, comme le frère Franck, Ewald Franck avait dit, les hommes posent des questions et Dieu répond. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ils posent des questions, nous répondons. Alléluia. Nous allons partir. Alléluia. Je dois grandir, hein, puisque ce n'est pas très visible. Il faut que ça soit bien visible. On a donné
Le saint prophète a dit que son existence est transmise finalement, transmise à ses parents immédiats, blablabla. Bla. Le mot Ab, le mot Ab qu'on a donné, le mot Ab qu'on a donné dans ce verset-là, dans cette sourate ici, le mot, il y a le mot Ab. Le père, ça veut dire Ab. Hein? Il dit que le mot Ab qu'on a donné ici peut signifier aussi bien qu'ancêtre, ancêtre ou bien même oncle, comme Ishmaël, l'oncle de Jacob. Bon, c'est comme ça qu'il commence à définir. Il dit que ce sont des... Il commence à définir que le mot Ab, le Coran utilise le mot Ab pour lui comme oncle. C'est oncle. Il commence bien à dire que ce mot-là signifiait oncle. Maintenant, on va maintenant dans les tafsirs de Ibn Kathir. Ça, c'est Ibn Kathir qui a écrit. Hein? Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, volume 1, page 139. Ibn Kathir a aussi parlé de ça. Il a dit que ce qui est surprenant, c'est que sachant de fait que le père d'Abraham était Tarak, un nom hasard, comme les stupides certains sunnites historiens. C'est Ibn Kathir qui dit que le nom de... Ce n'était pas hasard. Ça, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, dans son ouvrage sur l'histoire, a écrit ça. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de références là. Il y a beaucoup. Ceci est également confirmé par Tabari. Tabari a aussi parlé de ça, car il donne la lignée de la famille d'Ibrahim dans sa collection d'histoires, mais aussi dans son commentaire du Coran. Il déclare que Hazar n'était pas le père d'Ibrahim. Ça, c'est Tabari. Il dit la référence, histoire d'Al-Tabari, volume 1, numéro 119. Et puis, il y a même le tafsir. Le tafsir de Tabari par Ibn Jarir al-Tabari, volume 7, numéro 158. Donc, vous voyez, les musulmans ne savent pas. Ça, ce sont des grands savants. Lorsqu'on parle de Ibn Kathir, c'est un grand savant. Lorsqu'on parle de Tabari, c'est un grand historien et aussi un tafsir. C'est pour cela qu'on parle de tafsir al-Tabari. Hein? Donc, ils ne connaissent pas l'identité. Hein? Ils ne connaissent pas l'identité. C'est pour cela qu'ils doivent maintenant nous dire c'est oncle. Celui-ci dit c'est oncle. Et voyez-vous, ce sont des menteurs. Donc, nous avons détruit leurs mensonges. Nous sommes là pour corriger, frapper très fort. On continue avec la vidéo. On continue avec la vidéo. On va vous projeter d'autres mensonges. Puisque là, c'est la déislamisation qui prend place. Pour enlever l'islam et les mensonges de l'islam. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, on va continuer ici. Vous allez suivre les gens ici. Suivez. Parfait. Quand Dieu dit une chose là, il dit poul, ça y a poul. Marie, elle dit ok. Quelqu'un est en train d'être le commencé. Donc, elle sait qui est dans son ventre. Elle sait que l'enfant qui est dans son ventre là, elle n'a pas eu de rapport. C'est pas n'importe qui. Maintenant, toi, imagine pour quoi tu dis. L'enfant qui est marié avait dans son ventre là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et puis toi tu es sûr que Marie était enceinte de Dieu. Et puis elle n'a pas adoré son fils. Regarde, Jésus est sorti. Elle s'est promenée. Il allait se promener, Marie le cherche. Elle cherche son enfant. Donc, et par exemple, on est ici à Sigiri, et puis on voit la maman de Dieu qui passe. Elle cherche Dieu. Elle dit, Marie, il va dans la maison, combien un petit guide. Est-ce que ça peut passer dans la tête? Elle cherche son enfant. Elle va le trouver là-ci quelque part. Elle dit, mon enfant. On dit, ton fils, tes parents te cherchent. Il va venir là. Il en plaît. Ça a dû en parler comme ça. Jésus, Marie, maintenant quoi? Là, ce sont des comédies qu'ils sont en train de faire. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il est devenu un homme. Lorsque même Marie portait son enfant, elle portait un homme. Elle portait le grand Dieu. Qui est devenu comme un homme. Dieu peut venir chez toi dans ta maison, tu lui donnes même la nourriture, tu ne sais pas que c'est Dieu. Il a fait ça plusieurs fois. On a déjà démontré, puisqu'on a dit la parole s'est incarnée, la parole s'est faite chair. C'est de la comédie qu'ils sont en train de raconter. Je t'ai dit, mon enfant, tu étais où? Tu es sûr que Marie peut appeler son Dieu mon enfant? Elle se disait que selon la Bible, Jésus était un bénisé. Non, imagine Dieu. Jean-Baptiste est devenu musulman. Donc Dieu est devenu musulman. Eh, Dieu! Ça va aller. Si tu es devenu musulman, voilà la vérité. On va y. On vit, non? Mais on salue la personne. C'est pour cela qu'on dit que Dieu
est venu et il s'est fait semblable. Il était semblable à nous. C'était un homme. Dieu s'est fait homme. On a démontré plusieurs fois que même Allah lui aussi a répété le même truc. Il est devenu aussi un homme dans plusieurs versions de Coran. On a déjà démontré ça. Non, mais... Je ne connais pas la peau de Jésus. C'est vrai, tu ne connais pas. Hein. Yes. Yes. Soit il était blanc, ou bien il était... Bah, il était juif, il était d'Israël, non? S'il était en Israël, c'est qu'il était blanc. Est-ce que Dieu peut avoir la couleur de peau blanche? Bon, c'est-à-dire que toi, tu es noir, tu as un Dieu blanc. Quand Allah que nationalité va aller là, parce que par exemple, Allah est la Grèce. C'est un peu bêtard de dire la Grèce. Ça, c'est un paradis cadeau. Donc, c'est compliqué. Avant que Jésus devienne dans le monde de Marie, les Juifs adoraient Dieu. Marie elle-même, là, elle adorait Dieu. Quand elle était enceinte de Jésus, là, si c'était Dieu qui était dans son ventre, l'ange Gabriel est venu lui dire, le seul enfant que tu porteras dans ton ventre, là, voilà comment il va s'appeler. C'est que Marie a vu l'ange venir lui adresser une parole de Dieu. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais couché avec un homme. Comment je serai enceinte? L'ange a dit, c'est Dieu qui a chrétiennement. Et quand il y a fait ma femme, Dina, Slamaya, Tadina, Chrétien, Tadina, à la véritable adoration que Dieu aime. Parce qu'il n'y a pas plus humiliation que ce procédé. Il n'y a pas plus humilité que ce procédé devant Dieu. Voilà pourquoi le musulman qui a compris le sens de la prosternation, il peut jamais être orgueilleux. Voilà, il dit ce qu'il y a. Pas du musulman, tu te prophètes chaque jour devant Allah. Et laisse du groupe ton roi qui perd le téléphone. Et puis toi, tu es orgueilleux. Et puis le pays, il est bien, il est mal voyant. C'est que tu mets ton front au sol, mais tu comprends rien de moi. Non, c'est que ok. Il parle prosternation, se prosterner, prosterner. Oui, mais vous allez dire ça de chez nous. Puisque les chrétiens se prosternent chaque jour. Puisque la prosternation vient de chez nous. C'est nous qui avions donné le mot même prosternation. Donc, vous avez recopié ça de chez nous. Alléluia. On va partir dans la Bible. Je vais vous montrer là où, comment est-ce que nous nous prosternons. La prosternation, les gens qui se prosternent, ce sont les chrétiens. Et puis, il y a d'autres religions, les bouddhistes, les shintoïstes, les musulmans, les hindous, tous ces gens-là, ils se prosternent aussi. Hein? Mais le problème, c'est se prosterner devant qui? C'est ça le problème. C'est là le problème. Et ici, je vais vous montrer quelques écritures. Là, nous sommes dans la Bible. Là, nous sommes dans la Bible. Il y a beaucoup d'écritures là où les gens se sont prosternés. Alors, on dit que Matthieu 2, 11, ils entrèrent dans la maison, ce sont les magiens, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. C'est pour cela que nous nous prosternons devant Jésus. C'est pour cela que nous nous prosternons devant Jésus. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, on dit les 24 vierges, quand il prit les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vierges se prosternèrent devant l'agneau, devant Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes remplies d'or et des parfums qui sont les prières des saints. Nous nous prosternons et sans problème. Les quatre êtres vivants disaient Amen et les vierges se prosternèrent et adorèrent. Nous nous prosternons. Hein? Lorsqu'on dit prosternation, tout ça, soujoud. Mais c'est venu de chez nous, ça vient de chez nous les chrétiens. Ils se prosternèrent sur leur face. Hein? Ça c'est Apocalypse chapitre 7, verset 11. Apocalypse chapitre 11, verset 16. Les 24 êtres vierges qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Hein? Les 24 vierges et les 4 vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône. Donc, nous, nous adorons Jésus. Dieu, c'est Jésus. C'est lui-même l'agneau. C'est la même personne. La même personne qui est, donc, la même personne qui peut faire ce qu'on appelle l'incarnation. Il peut s'incarner dans l'agneau. Il peut s'incarner dans un homme. C'est la même personne. Donc, se prosterner, il n'y a pas de problème. Nous, les chrétiens, nous faisons ça. Mais le grand problème, c'est se prosterner devant qui? Pas se prosterner devant les idoles, comme Muhammad. Mohamed s'était prosterné devant les idoles. J'ai démontré ça plusieurs fois. Je vais vous donner ça sur le tafsir. On va partir dans le verset 22. Au verset 22, chapitre 22, au verset 51. On va vous dire que Mohamed, lui, s'est prosterné. Il s'est prosterné devant des choses qu'il ne connaît pas. On a beaucoup de tafsirs. Hein? On a beaucoup de tafsirs. On a des tafsirs de...
Ibn Hajar Askalani, on a des tafsirs d'Ibn Abbas, on a Jalalayn, on a Asbab al-Nuzul. Prenons celui-ci. Asbab al-Nuzul, la raison pour laquelle la sourate est descendue. Nous, je vais vous montrer quelque chose ici. Hein, Asbab al-Nuzul, je vais vous montrer quelque chose que vous allez vous lire avec moi. Muhammad, il s'est prosterné devant les idoles. Le problème, ce n'est pas se prosterner. Tu te prosternes devant quoi? Sourate 22, verset 52. Nous n'avons jamais envoyé de messager ou de prophète avant toi, blablabla. Bla, bla. Il dit ceci. Lorsque le messager d'Allah, Muhammad, il est venu, il a vu que son peuple l'évitait, il fut lésé par le rejet du message qu'il avait. Il souhaitait secrètement qu'Allah soit exalté, lui révèle quelque chose qui les rapprocherait, lui et de son peuple. Il voulait plaire à son peuple. Et maintenant, un jour, il s'assit dans l'une des congrégations de Quraysh. C'était des idolâtres. Muhammad est parti là, qui attirait, la congrégation de Quraysh attirait un grand nombre de membres. Et il souhaita qu'Allah exalté lui révèle ce jour-là rien qui puisse les éloigner de lui. Il dit, Allah lui révéla ensuite la sourate à livre. Hein, il dit ce sourate An-Najm. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a récité. Mais quand il a atteint ce niveau ici, il dit, avez-vous pensé à Alat? Ça, c'est une fille, une déesse, la fille d'Allah. Alat, Al-Uzza et Manat, la troisième, sourate 53, verset 19 et 20. On a dit ceci. Le diable a mis sur la langue de Muhammad ce qu'il avait secrètement souhaité. Muhammad a dit, ce sont les grues puissantes, les garaniques, et leur intercession est espérée. Quand les Quraysh entendirent cela, ils furent contents. Muhammad, le messager d'Allah, l'accord de la paix, blabla, il a continué à réciter jusqu'à la fin de la sourate, et puis il s'est prosterné. Muhammad s'est prosterné. Tous les musulmans ont emboîté les pas et se sont prosternés. Et tous les idolâtres qui étaient là, présents, se sont également prosternés. Tous ceux qui étaient des mécréants, des musulmans ou des mécréants, se sont prosternés, sauf Al-Walid ibn Al-Mughira et Abu Huhayya Saïd ibn Ask. Ce monsieur ici, Al-Mughira, il fut tué. Hein? On avait tué puisqu'il ne s'était pas prosterné comme Muhammad. Voyez-vous? Et voyez, mais maintenant, il dit ceci. Les Quraysh se sont alors dispersés. Ils étaient heureux de ce qu'ils ont entendu. Ils ont dit, Muhammad a mentionné nos idoles avec des termes élogieux. Nous savons qu'Allah donne la vie et il enlève et crée pour voir la subsistance. Et même nos idoles intercèdent pour nous et auprès de lui. Maintenant que Muhammad les a associés, Muhammad a associé, c'était un associateur. Maintenant que Muhammad les a associés, nous sommes tous avec lui. C'est comme ça qu'il avait gagné le Quraysh en adorant les idoles. Ce soir-là, Gabriel, que la paix soit sur lui, alla vers le messager et lui dit, « Qu'as-tu fait? Vous avez restitué aux gens ce que je n'ai pas apporté d'Allah. » Bla, bla, bla. Voyez-vous aussi, le problème c'est, Muhammad, il s'est prosterné devant les idoles. Muhammad s'est prosterné. C'est écrit là. C'est pas question. S'est prosterné. Mais devant qui? C'est là le problème. Hein? Il a continué à réciter la sourate jusqu'à la fin. Puis il s'est prosterné. Il s'est prosterné devant les idoles. C'est écrit aussi. Il y a plusieurs tafsirs. On ne peut pas vous montrer tous les tafsirs, toutes les interprétations. Prenons même Ibn Hajar Askalani, ou bien tafsir Al-Jalalayn. De Suyuti, nous allons voir. La même histoire est répétée là. La même histoire est répétée là. Satan a jeté dans sa récitation ce qui n'est pas du Coran. Donc Satan avait tenté. Là, c'est Jalalayn, tafsir Jalalayn qui a dit ça. Donc, le problème, ce n'est pas se prosterner, c'est se prosterner devant qui? Nous faisons ça chaque jour. Hein? Mais vous prosternez devant quoi? Devant la pierre noire, devant les filles d'Allah ou quoi? Hein? Même Ibn Abbas, le cousin, ça c'est le cousin de Muhammad. Ça c'est le cousin et celui que Muhammad avait même choisi pour faire les interprétations du Coran. Nous allons voir ce qu'il a dit. Ça c'est Ibn Abbas, c'est le tafsir de Ibn Abbas. Voyez-vous, il a aussi parlé de ça. Hein? Il a dit, le prophète a récité le message ou a parlé, blablabla. Voyez-vous?
Il parle de la même histoire. Hein? Le problème, c'est se prosterner, mettre devant qui? C'est là le problème. C'est là tout le problème que nous avons. Alléluia. Maintenant, nous allons partir aussi avec la vidéo pour voir une autre bêtise qui s'est répétée. Vous allez suivre. Vous allez suivre. Ah, vous allez suivre. Suivez. بسم الله الرحمن الرحيم Bon. Bon. Il y a plusieurs sortes de maladies. Bon. On va mettre ça sur le compte de la maladie. Sinon, comment? Et là, c'est notre numéro, hein? Pour les gens qui veulent nous contacter pour le débat en direct ou bien en différé, nous sommes tout prêts pour administrer une frappe, pour soigner la maladie. Nous allons soigner la maladie tout de suite. La maladie dont il est en train de parler ici. Hein? Vraiment, c'est pas. Bon, on va mettre ça sur le compte de la maladie. Bon. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a plusieurs sortes de maladies et nous allons soigner une maladie. Suivez la vidéo. Non, attendez, je dois vous montrer la vidéo de ce garçon ici. On va parler. Comme de la maladie. Bon. Bon. Il y a plusieurs sortes de maladies. Bon. On va mettre ça sur le compte de la maladie. Maintenant, nous allons soigner leur maladie tout de suite. Suivez. Sinon, comment? Vraiment, c'est pas la peine. Le prophète, lui, il nous dit que vous, les musulmans, de la part d'Allah, hein, Allah dit au prophète, dit, les musulmans, tous, ils vont aller au paradis. Eux, et puis les épouses. Le prophète me dit ça aux gens. Il dit de sa bouche, vous allez aller au paradis. Et puis lui, il va plus se faire. Souvent aussi, laissez ça sécher un peu avant d'utiliser. Voilà, ceux qui savent de quoi ils parlent. Donc, oui. Voilà ici. Les versets sont là. Attends, je vais lire pour toi. Puis tu traduis. Alors, c'est ça. Premier verset. Souram Béa, Nibena, Niba Irako, Tira, Ali, Surako, Salam, Anisrama, Pepe, Ali, Dina, Kono, Akashani, Souram, Pisabani, Koi. Mamena, Tomadama, Lekala. Allah, il dit. Allah, quoi? Oh, mes serviteurs. Alou, Mouni, Ademate, Mouni, Limaniala, Alama. Surat 43. Non. 68 à 70. Surat 43, surat Binani, Ali Saba. On a posé la question si Muhammad ira au paradis. Bon, les musulmans, c'est la maladie que nous sommes en train de guérir maintenant. Ils vont parler, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Paradis. On va voir maintenant aujourd'hui si le mot paradis se trouve dans le Coran. On va voir si le mot paradis se trouve dans le Coran. Je vais vous montrer que le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Ce n'est pas, ça n'existe dans aucun Coran du monde. Ça n'existe que dans de fausses translations qu'on a vendues dans certains pays de l'Afrique, tout ça, pour tromper aux gens. Mais nous allons vous montrer que le Coran n'a jamais parlé du paradis. Nous allons voir. Suivez la translation qu'il est en train de lire et je vais vous montrer d'autres translations. Suivez. Voilà, alors c'est ça. Le verset dit. Là, il lit surat 43 à 68 à 70. Je vais vous montrer ça. On lit en français pour vous. Oui. Oh, mes serviteurs. Attendez-vous. Vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en un signe. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Bon, nous serons de bon moment, il a dit, vous qui êtes musulmans, alors que dans le Coran, et vos épouses,
entrer au paradis. Ama fe ko me na to ajire ko le kwaeto. Entrer au paradis. Ayeto ajire ko no atay le ndeka blanye. Ayeto. Fu. Alu. Et vos épouses. Ana furu muso atay se. Bon, nous sommes de bon bon dit ayo ale le tedo. Bon, il a dit vous qui êtes musulmans, alors que dans le Coran le voyez. Alu. Et vos épouses. Ana furu muso atay se. Ajire ko le kwaeto. Entrer au et sont musulmans. Si nous l'ala à la catastrophe ou la catastrophe, vous ne serez point affligés. J'en attendais la sienne aussi, ma qui est malheureux. Ceux qui croient en un signe, mais nous l'ala à la catastrophe ou la à la sangle la tourcole la ni foyon, il est où l'ica, kaoulisca, la soupe, kaoulis, la à la catastrophe de là et sont musulmans. À madame, fouille qu'est-ce la malle et calaca. Entrer au paradis. Entrer au paradis. Vous et vos épouses. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a dit entrer au paradis. Le garçon là, l'autre qui interprète, il dit quel mot? Est-ce qu'il a parlé de paradis? Là, c'est l'interprète. Le paradis, dans sa langue là, on appelle ça comment? Paradis. Il n'a pas interprété comme paradis. Mais nous allons vous montrer que ça, c'est une corruption. Le mot ici, paradis, ça n'existe pas dans le Coran. Ça, c'est une translation qu'on a donnée ça pour que les Africains puissent consommer ça pour les tromper facilement. Mais nous allons partir en arabe. Dans le mot arabe, là, on n'a pas parlé de paradis. Ça n'existe pas. On a parlé du mot djanat. Djanat, je vais vous montrer la situation de djanat. Jannat, ce n'est pas paradis, mais ça veut dire le jardin. Vous voyez ce mot ici? Ce mot ici veut dire le jardin. Entrer où? Au jardin. Ce mot ici, Jannat, ce n'est pas paradis. C'est pour cela que même son interprète n'a pas dit paradis. Hein? Paradis. Si c'était paradis, on allait dire paradis, même dans sa langue-là. Même si on pouvait prononcer d'une manière africaine, mais on devrait entendre le mot paradis. Comment est-ce qu'il n'a pas cité ça? Suivez l'audio. Entrez au paradis. Est-ce que vous avez entendu le mot paradis? Dans leur interprétation, puisque le mot paradis n'existe pas dans tout le Coran, on va vous prouver ça. Le mot paradis n'existe pas dans tout le Coran. Entrez au paradis. Donc le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Hein? C'est de la comédie qu'ils sont en train de faire. Et ça n'a jamais existé. Et sont musulmans. Amadaoma. Entrez au paradis. Ce verset, ce mot paradis, ça n'existe pas. C'est une fausse translation du Coran. Je vais vous le prouver. Nous parlons avec des preuves. Nous allons vous le prouver. On vous a déjà montré une partie. Mais je vais donner beaucoup de détails, comme nous sommes en train de faire. On a dit que ce mot ici, paradis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas là. On parle de Jannat. Jannat. Jannat qui veut dire jardin, le jardin. Le jardin. OK, je vais vous montrer d'autres versions du Coran hein, pour vous montrer de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Voyez-vous, là nous sommes dans Suratul Zulkuf. Surat Zulkuf. C'est Surat 43. Au verset 70. On va voir. Vous allez voir de vous-même qu'on est en train de vous mentir. On est en train de vous mentir. Il dit, entrez joyeusement dans le jardin, vous et vos épouses. OK? Vous avez vu? Avez-vous vu? OK. Attendez. Je vais vous donner une autre translation du Coran pour voir peut-être que ces gens n'ont pas bien interprété. On va vous donner une autre translation du Coran.
Attendez, je vais choisir. Bon, allons même dans Youssouf. Allez, on va chercher notre translation. Il y a beaucoup de translations de Coran. Hein? Ça, c'est Youssouf Ali. Prenons Youssouf Ali, la translation de Youssouf Ali. On va voir. Ça, c'est Youssouf Ali. Qu'est-ce qu'il a dit ici, ce gars ici? Youssouf Ali. Ah, même celui-ci dit, entrez dans le jardin, vous et vos femmes, dans la beauté de la joie. Bon, même celui-ci, ça n'existe pas. Choisissons une autre translation du Coran. On peut chercher au hasard. Prenons celui-ci. Ahmed Ali. Nous allons voir, il parle de quoi? Il parle de quoi? Sourate 70. Vous entrerez dans le jardin. Il parle aussi de jardin. Vous et vos épouses. Il n'a pas parlé de paradis. Donc là, ce sont des arrangements. Ils se créent eux-mêmes des arrangements. Alors, choisissons une autre version du Coran. Voyons. Il y en a tellement beaucoup, on ne sait pas lequel choisir. Bon. On va juste y aller. Et vous allez montrer que le Coran n'a jamais parlé du paradis. Ce mot-là n'existe pas dans le Coran. Ça, on parle de... Prenons même celui-ci. Shakir, qu'est-ce qu'il va dire, ce garçon ici? Ça, c'est Shakir. Il dit ceci. Entrez dans le jardin, vous et vos femmes, vous serez rendus heureux. Ça ne se trouve nulle part. Hein? Prenons, est-ce qu'ils ont Pictal? Prenons la translation de Pictal. Je ne sais pas s'ils ont ça. On va chercher. Marmaduke et Pictal. Ça, c'est Pictal. Ça, c'est un Britannique, indien, qui était musulman. Pictal a aussi écrit ça. Pictal dit ceci. Entrez dans le jardin, vous et vos femmes, pour vous réjouir. On parle du jardin, on ne parle pas du paradis. On va choisir quelle autre translation. Hein? Est-ce qu'ils ont Itani? La translation de Itani ici. La translation de Itani. On va vous montrer que ces gens, ils ont Itani. Itani ici. On va prendre Itani, voir paradis. En plus, il y a d'autres qui ont mis paradis, tout ça. Mais entrez dans le jardin. Donc, je vous ai montré beaucoup, beaucoup. Ça, c'est plus que des preuves. Donc, vous voyez que le mot paradis n'existe pas. Mais dans cette translation, on parle du paradis, entrer au paradis. Mais les autres ne parlent pas du paradis. On dit entrer dans les jardins, entre les deux ici. Quel est le vrai Coran? C'est pour cela que je vous ai dit que dans la version arabe, il n'y a pas de mot paradis là-bas. On parle du Jannat. C'est Jannat. On parle de Jannat qui veut dire jardin. Qui veut dire jardin? Donc le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Le temps est en train de pousser, on doit terminer notre programme puisque la vidéo, je voulais faire une petite vidéo là de 30 minutes, mais on a déjà atteint 47 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc ce mot ici, jardin, c'est al-janata, ça veut dire le jardin. Jana, ça veut dire jardin. On peut vous montrer ça, il y a beaucoup de versets du Coran qui parle de ça. Il y en a tellement beaucoup. Il y a même un beau verset là que j'ai vu quelque part ici. Attendez, je vais vous montrer ça. J'ai vu quelque part. Ça doit être ici. Alléluia. Voyez-vous. Donc, tout ça, c'est pour mentir aux gens. Mentir. On parle du mot jardin partout ici. On parle du mot jardin. On n'a pas parlé du mot. Voyez-vous. Partout ici, on parle du jardin. C'est le mot jardin qui revient partout. Hein? C'est le mot jardin
qui revient partout. Et maintenant, et ils ont voulu changer ça pour que ça puisse sonner comme paradis. Hein? Sourate 68, hein, au verset 17. Nous avons éprouvé les compagnons du jardin quand ils avaient juré d'en faire la récolte le matin. Jana, ça veut dire jardin. Ça veut dire jardin partout. Hein? Jardin, lieu régénérateur. Jana veut dire. Donc, ces gens qui sont, ils sont en train de vous mentir. Il faut quitter les religions là où on est en train de mentir aux gens. Ok, on termine avec la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose un peu plus rapidement. On va partir ici. On va partir ici. Là, c'est un monsieur qui avait posé une autre question, mais qui fut mal compris. Suivez. La deuxième question. Vous allez suivre ça. Mais ils ont juste pas, ils n'ont pas, ils sont pas entrés en profondeur. Mais moi, je vais entrer en profondeur pour vous montrer que ce sont des menteurs, ces gens ici. Bon, il demande, est-ce qu'il y a une surah dans le Coran ou pas de la circoncision? Non, c'est pas ça. Surah circoncision? Bon, il demande, est-ce qu'il y a une surah dans le Coran ou pas de la circoncision? Non, c'est pas ça. Surah circoncision? Bon, on posait une autre question, mais il a juste cité ce mot ici, on l'a corrigé. Y a-t-il une sourate dans le Coran où on parle de la circoncision? Dans tout le Coran ne nous a jamais parlé de la circoncision. Ça n'existe pas. On n'a pas parlé de la circoncision dans tout le Coran. J'ai pris ça juste pour frapper un peu plus fort. Alors, la circoncision ne se trouve que dans la Bible. Ce n'est pas dans le Coran. D'ailleurs, Mohammed lui-même avait dit ceci. Il y a un hadith. Les musulmans qui se font circoncire, je ne sais pas pourquoi ils le font. Sur base de quoi? Vous faites circoncire pourquoi? Puisque le Coran ne vous a jamais dit de vous faire circoncire. Maintenant, comment est-ce que vous vous faites circoncire? Attends. Je vais vous montrer ce que Mohammed a parlé sur la circoncision. Le Coran ne vous a jamais dit de vous faire circoncire. Hein? Vous voyez, j'ai cliqué quelque chose sur la circoncision. Je vais vous montrer que vous faites circoncire pour rien. C'est en vain que vous faites circoncire. Je vais vous montrer. Là, c'est Muhammad qui a parlé sur la circoncision. Il a dit ceci, que tous les musulmans, ça c'est Ibn Abbas qui est en train de dire, vous allez rencontrer, you will meet Allah, barefooted. Vous allez rencontrer Allah pieds nus, naked. Vous serez nus, walking on feet. Vous allez marcher pieds nus. Uncircumcised, vous serez incirconcis devant Allah. Tous les musulmans, vous allez paraître devant Allah comme des incirconcis. Vous voyez tous ces hadiths, hein? C'est tellement beaucoup. Mais je vais choisir un seul hadith pour vous projeter ça en français. Je vais vous choisir un seul hadith. Donc, il y a beaucoup de hadiths, là où Muhammad a parlé de ça, que vous faites circoncis pour rien. Vous serez incirconcis devant Allah. Pourquoi est-ce que vous vous faites circoncire? Donc, ok, je vais prendre un seul à 10. Hein? Un seul à 10 pour montrer aux musulmans que vous faites circoncire pour rien. Il faut aller demander à vos voisins pourquoi est-ce qu'ils vous disent de vous faire circoncire. Ah, on prend celui-ci. Ça, c'est Sahih Bukhari numéro 6524. 6524, on va voir. Ça, c'est Sahih Bukhari. Je dois terminer la vidéo dans 2 minutes. Sahih Bukhari,
numéro 65-24. D'après Ibn Abbas, le prophète, paix sur lui, a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, vous serez pieds nus. Tous les musulmans seront pieds nus. Et puis ils seront nus devant Allah, marchant sur le pied incirconcis. Donc les musulmans seront incirconcis. Comment ça? Donc c'est comme ça que le musulman, Allah va vous traiter. C'est comme ça que Allah va vous traiter. Saïbou Ari numéro 65-24. Ça, c'est pas gentil. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus. Et puis les musulmans seront nus, marchant sur le pied, et ils seront incirconcis. Pourquoi est-ce que vous faites circoncis? Donc la circoncision, vous faites circoncis en vain. Là, c'est... Donc, il faut aller poser la question, pourquoi est-ce qu'on vous a dit que vous allez vous faire circoncis, mais devant Allah, vous serez incirconcis. Pourquoi? Ça, c'est une comédie. Ça, c'est un hadith authentique. Je vous ai montré plusieurs hadiths. Celui qui veut nous contacter pour le débat, nous sommes prêts pour la frappe. Que le Seigneur vous bénisse et shalom à tous.